Les trois artistes de Byproduct aiment les distorsions, les protubérances, les excroissances, les ajouts de peaux et de poils. Ils reconsidèrent la normalité des codes vestimentaires et travaillent sur les notions de déguisement, de normes et d'apparence. Une démarche qui allie performance, photographie, vidéo et intervention participative. On a choisi un groupe d'artistes, un collectif, qui travaille sur les codes vestimentaires, sur les conventions sociales liées aux codes vestimentaires, et veulent nous montrer que finalement nous portons un masque au quotidien avec les vêtements que nous portons. Et ce qui est intéressant, c'est que avec des petits accessoires, elles ont pu pendant le vernissage essayer de composer un patchwork de photographies de personnes qui, avec très peu de choses, ont changé d'apparence et donc ont troublé le visiteur, ou troubleront par la suite le visiteur en découvrant ces portraits assez inédits. Et il y a aussi une série de photographies qu'elles ont elles-mêmes, dans lesquelles elles-mêmes elles posent pour montrer à quel point ces codes vestimentaires, ces conventions peuvent être déstabilisées avec un rien, avec très peu. Elles avaient déjà réalisé à diverses reprises cette expérience, notamment en Berlin, dans un vrai fantomaton, et les photos de cette expérience sont aussi exposées au musée du masque.